mais c'est une armée. Oh. Oh, mais mon Dieu. Bon, les Encore amis. de policiers quand même. Non, mais là, c'est qu'une partie. Hein. Là, Ah c'est ouais, qu'une j'ai vu, partie. c'est Hein. pareil. Les amis, je me suis réfugiée dans un immeuble. Il y a un gentil monsieur qui m'a ouvert. Voilà, regardez l'armée. C'est une armée. Et ils obéissent super bien parce que le chef, il dit, allez hop, tous à droite. Et ils vont tous à droite et tout. Coucou, coucou. Voilà, en fait, on peut aller nulle part dans les rues de Nice. Dès qu'on est dans la rue, on se fait pourchasser. Et là, comme une Mongolienne, je suis rentrée dans un immeuble, seulement je peux plus ressortir parce qu'il y a ça devant. Il y a la Gestapo. Non, bah, bonjour à tous. Ah ouais, franchement, je sais même plus où aller là dans la ville. Hein. Je vous dis, partout où on va, on se fait pourchasser. J'ai pu rester nulle part. Alors regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Et encore, vous en voyez qu'une partie. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'aimerais bien qu'ils se barrent pour que je puisse sortir de cet immeuble. S'il y en a qui peuvent filmer de au-dessus, si vous avez accès à des toits ou quoi, n'hésitez pas, quoi. Des nouvelles de la dame? Non, je ne sais pas. Elle est partie avec les pompiers. Apparemment, elle était en sang. Elle s'est fait puncher par un policier. Parce qu'en fait, ils ont nassé les gens sur Garibaldi. C'était un piège, hein, mais sauf que. Il y en a qui ne sont pas allés quand même, mais d'autres qui sont quand même allés et ils se sont fait piéger là-bas, quoi. Voilà, et donc j'ai entendu dire qu'à Paris, c'était tous fait dégager des Champs-Élysées. Vous voyez, les gens, ils peuvent pas passer, ils se retrouvent bloqués. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Je ne sais pas ce qui se passe. Si j'étais chez moi, je te dis que je le ferais, mais là, j'ai pas envie de foutre les gens dans la merde. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Olive Olive, ben, je sais pas, j'ai essayé de regarder ses lives ce matin, comme par hasard, je voyais pas le live. Ben, en fait, il se passe là, je suis à Nice, en fait. J'ai essayé de rejoindre la place Garibaldi, au bout de 5 minutes, ils étaient en train de charger. Donc j'ai réussi à m'esquiver, voilà. Je suis le seul live de toute la France, ben, c'est parce que j'ai pas encore fait de live et du coup, ils m'ont pas encore bloqué. Mais Olive Olive, j'ai vu que je suis allée voir sur sa page, il n'y avait aucun live. Je sais pas ce qui se passe. Bon, apparemment, les gens, on se retrouve toujours à Gartière si on y arrive un jour et si c'est possible. Oh là 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 là, je sais pas. Mais Voilà, qu'est-ce qui là, charge on en est fait chargé. là? Là, on est chargé. Ils chargent, il y a trois personnes, ils sont 100 000. Regarde-moi, allez, Et regarde-moi. là, à cause de ça, là, ils vont casser. Il y Hein? aura des gens qui vont faire la casse à cause de Oh ça. Il n'y a putain, rien, il hein. n'y a pas une autre fenêtre là où on peut mieux voir la route? Oh là 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 là, il faut que j'ai des preuves. J'ai caché, vous inquiétez pas, on voit pas. Bon, je vais pouvoir sortir de toute façon. Oh putain. Mais combien ils sont? Combien ils sont? Mon Dieu, mais on est à Nice. Mais combien ils sont, putain? Mais mon Dieu, mais oh là là, il y en a un là-bas. Oh putain, il y en a un là-bas qui est tombé par terre. Voyez pourquoi je veux me mettre en hauteur? Putain, c'est pas possible. C'est qui sont en train d'arrêter? Je vois pas. Une mamie de 70 ans avec la dope s'est faite charger. Ils ont tous arrêté. Oui, les médics, il y a 7 médics qui sont arrêtés. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas qui c'est, j'arrive pas à voir. Putain, c'est quelqu'un que je connais, je crois. Putain, c'est qui? Oh putain de sa mère, j'en ai marre. Oh, je vous jure, on peut pas se déplacer dans Nice. Voilà, dès qu'on se déplace, voilà ce qui se passe. C'est qui? Putain, je vois pas. Il y a quelqu'un qui arrive à reconnaître qui c'est? Mais en plus, on n'arrive pas à se retrouver. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils ont mis un piège à Garibaldi. Tous les gens sont allés tête baissée dedans. Et on n'a pas réussi à se regrouper. En fait, c'était le piège, c'était fait exprès. Hein. Voilà. Et encore une fois, voilà, je vais balance. Mais il y a Alexandre Sub, Stéphane et Glenza et Tutti Quenti dans l'histoire. Voilà, c'est des vendus. Et ils avaient fait exprès de faire ça. C'est en bas de chez moi ou la Corée du Nord? Je sais pas. Mais ceux qui sont des toits, filmez tout ce qui se passe. Il faut qu'on ait des preuves. Je vais essayer de redescendre. J'espère qu'il n'y a plus l'armée devant la route. Putain, c'est quoi ça encore?
Ouais, désolé, je me suis réfugiée là, j'étais bloquée dehors, je suis assez partout. J'espère que je vais pas me faire balance comme la Seconde Guerre mondiale. Hein. Bon, allez, je crois que c'est... Putain, mais pourquoi ils se sont mis dans ce sens maintenant? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, parce qu'ils sont en train d'interpeller là-bas, j'avais pas vu. Attendez. Qu'est-ce qu'ils interpellent? Voilà. Ouais, c'est une dame de compte à Rouen, apparemment. J'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui a des nouvelles. Non mais je suis pas chez moi, je me suis réfugiée dans un immeuble parce que il y en avait de partout et que je savais plus où aller. Ouais mais c'est ça, ils cherchent la guerre, ils veulent qu'on descende avec les armes, hein, c'est fait exprès. Hein. Je vous dis, on n'a même pas le temps de se regrouper, on est tous éparpillés un par un. Qu'est-ce qu'ils font là-bas encore? C'est pour ça que je dis, c'est super important si vous pouvez filmer de vos fenêtres, des toits, des... En fait je voulais monter sur un toit mais j'ai pas réussi, pour vous dire tout. Faut des preuves, oui, c'est ça. Non, mais ils interpellent n'importe comment parce qu'on regardait, ils faisaient rien, hein, ils marchaient, voilà. Putain. Mais c'est normal, à Paris Vide, ils ont dû utiliser la même technique que nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont éparpillés dans toutes les rues, et dès qu'on descend, il y en a de partout, on se fait pourchasser. Elle est dans un état grave, oh là là, c'est vrai. Oh non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais c'est une blague, putain. Les directs sont bloqués, c'est fou qu'on arrive bien à voir le mien. Ouais, j'ai vu que les sentinelles avaient le droit de faire feu, mais c'est pareil, ça je l'ai dit, on m'a encore traité de taré, comme si c'était impossible. Mais les sentinelles, c'est pas des vrais soldats. Bon, écoutez, je vais peut-être essayer de redescendre dans la rue. En fait, j'aurais bien aimé une fenêtre qui donnait sur la porte parce que je vous dis, vous avez vu tout ce qu'il y avait tout à l'heure, ils étaient tous devant la porte. Bon allez, je vous reprends dans 2 minutes, les gars. J'arrive. Ouais. Non, mais on peut pas se déplacer dans la ville, sérieux. Non, on n'a pas pu arriver à travailler. Ça fait plus d'un quart d'heure qu'il est dehors. Franchement, en tout cas, merci. Hein, parce... En fait, je voulais monter sur un toit, vous voyez, pour avoir des preuves. J'ai pas réussi. Sur le toit. Et le problème, c'est que là, il y a la guichette, les cadenassés. Je me suis dit, les jeunes vont me défoncer. Et pour monter sur les toits. Pourquoi je vais monter sur les toits? Mais parce que ça aurait été plus logique qu'on se mette tous sur les toits et qu'on leur balance des trucs à la gueule. Ah, d'accord. Ou au moins, vous voyez, au moins j'ai des preuves. Je filme en direct, je montre aux gens ce qui se passe. Franchement, là, ça craint. Hein. Je vais essayer de redescendre. On verra bien. Là, pour sortir, c'est pas un problème. Il n'y a plus personne. Côté, côté place maçonnerie, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est gris, regarde, un jour, je vais faire ça et on va me balancer comme à la Seconde Guerre mondiale. Il y a un gilet jaune. Il y a un juif. Bon, bah merci et passez une bonne journée. Ouais, et... merci. Allez, on y retourne. Hein? De toute façon, les clés que tu les as laissées, il n'y a pas de lumière. Ah, ouais. Ah, c'est bon, c'est ouvert. C'est pour ça que je suis rentrée. Merci, au revoir. Merci.